C'est je te passerai le. Bon, je commence par attends. Bien, il est 20h30. Notre secrétaire de séance ce soir est M. Christophe Consdorff et je lui laisse immédiatement la parole pour procéder à l'appel. Merci. Richard Delpierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie, l'oncle Duda. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadoux, Christophe Consdorff présent, Martine Bélier, Jean-Louis Jarige, Aline Téménides, Phil Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Simon Bonne, Patrick Berthomé, Jean-Michel Wenger, Tanguy-Odic de Kernen, Géraldine Arenès-Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darentière, Fabio Baya, absent, absent non excusé, Valérie Genquin, Anne Testu, Agathe Méry, Alain Pouvoir, Violaine Charpentier. Le nom du pouvoir, pouvoir donner à... Pouvoir donner à Violaine Charpentier. Alors, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, présent. Marc Sévely, présent. Jean-François Pemery, présent. Maurice Toledano, présent. Philippe Brio, absent, pas de pouvoir. Okay. Thierry Riotor, Nicole Alquier, pouvoir à monsieur Stéphane Gorce. Ensuite, Karine Lemenay, pouvoir également, je crois que j'ai vu ça, à monsieur Philippe Brio, qui est absent. Stéphane Gorce, Dorothée Bigère, Caroline Nocringer et Laetitia Gagnario. Non, les feuilles. Bien, merci Monsieur Consdorff, le quorum est atteint. Je vous souhaite de nouveau toutes et à tous la bienvenue. Par rapport au dernier conseil, il ne vous a pas échappé que quelques règles ont un peu changé. Nous sommes revenus dans le droit commun pour la préparation du Conseil et donc presque toutes les commissions ont pu se tenir. Je crois qu'il en reste une à ouvrir, mais c'était un souhait de l'ensemble de cette Assemblée. Et je crois que tout le monde a... Monsieur Brio entre en séance. Donc, Monsieur Consdorff, merci de noter la présence de Monsieur Brio et donc du pouvoir qu'il porte. Donc, retour à la normale de la préparation de ce Conseil, retour à la normale dans notre capacité à accueillir du public, alors à la normale, normale relative, puisque nous sommes tenus par la jauge et que nous ne pouvons accueillir que 42 personnes, et je crois que ça répond assez largement aux besoins ce soir. Le conseil reste évidemment diffusé en direct en vidéo. Port du masque obligatoire, et donc je vous demanderai d'être à la fois discipliné pour vous, vos voisins, de penser, pour ceux qui prennent la parole, à articuler pour que notre sténo n'ait pas un travail infernal à faire. Voilà, de parler distinctement. Le masque rend évidemment l'exercice un peu plus compliqué. Et puisque nous parlons de masque, je vais donner tout de suite la parole à Véronique Siadoux pour faire un point d'actualité sur, voilà, sur nos écoles, puisque nous avons une rentrée à la fois très bien passée, mais un peu d'actualité. Véronique, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire.
Donc après une rentrée plutôt sereine, même très sereine, nous avons malheureusement eu un premier cas Covid mardi. Donc il a été annoncé par une famille d'un enfant de CM1 de l'école Guinemer vers 14h. Donc je précise parce qu'il y a tout un protocole. Donc la directrice de l'établissement a déclenché la procédure qui est d'informer l'inspectrice et la cellule de crise de la direction de l'éducation nationale. La décision de fermeture de l'établissement est survenue mercredi matin à 10h30. Et cette décision a été prise par la préfecture des Yvelines sur les recommandations de l'ARS. Les enfants et les enseignants doivent observer une période de quatorzaine à compter de la date d'éviction de l'enfant qui a été testé positif. Donc l'enfant n'est pas revenu en classe à compter du 4 septembre, donc la classe sera fermée jusqu'au 18 septembre. Tout a été mis en place pour éviter tout risque de propagation. Comme le stipule le protocole, les familles de la classe ont été informées hier mercredi par mail et ou par téléphone, et les autres familles de l'établissement ont été informés ce matin de cette décision par précaution. Donc, en lien avec la direction de l'éducation nationale, la continuité pédagogique a déjà été mise en place dès ce matin et l'enseignante assurera aussi sa réunion de parents prévue et elle se sera en virtuel. Voilà, donc pour donc si vous avez des questions, je réponds à vos questions, mais j'ai voulu faire une petite annonce juste très succincte. Y a-t-il des souhaits d'intervention, de complément ? Monsieur Briot. Monsieur le maire, merci madame de ces informations. J'ai effectivement, comme un certain nombre de Chennaisiens, découvert dans Actu 78, et pas forcément sur le site de la ville, que l'école Guinemer avait une classe fermée. J'ai vu votre commentaire et j'en partage vraiment le contenu. C'est vrai qu'on peut être en colère par rapport à un protocole qui n'est pas toujours bien perçu, et des mesures que nous devons prendre au coup par coup. Je dirais qu'au niveau national, on ne voit pas très clair. Donc, effectivement, les élus sont confrontés brutalement à des décisions, et surtout les parents. Qu'est-ce qu'on fait pour les parents ? Donc, je crois que face à cette nouvelle vague, puisque j'ai eu avec toute l'équipe à gérer cela il y a quelques mois, je pense, sans vous donner bien évidemment d'idées ou d'avis, je pense qu'il ne faut pas que nous restions cloisonnés sur le sujet. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une visibilité, parce que le préfet peut demander des choses, l'ARS peut demander des choses, le ministère de la Santé peut demander quelque chose, mais peut-être que dans les jours qui viennent, il y aura une réflexion plus globale, de façon à ce que les habitants sachent exactement ce qu'il faut faire, parce que si des mesures nationales nous redemande certains confinements par cluster et de mettre le masque du matin au soir, même pour courir, je ne sais pas comment la population va réagir. Donc je suis tout à fait solidaire avec vous sur... j'ai lu que vous étiez en colère. Bon, je sais que vous pouvez vous mettre facilement en colère. Moi, je peux élever la voix aussi. Ça, ce sont des phénomènes de personnalité. Mais je crois qu'il faut aussi que les élus aient une vision claire de la part de l'État et par rapport au préfet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être une communication réelle qui manque peut-être actuellement au niveau de la ville sur le sujet et peut-être de pouvoir bien coordonner l'ensemble des moyens parce que les parents vont se retrouver dans des situations difficiles, dans des situations économiques également difficiles. Voilà, je voulais juste intervenir pour vous dire cela et que j'avais bien vu vos propos. Si, j'ai juste un Chennaisien qui m'a dit, tiens, j'étais à Guinemer, on m'a dit que le maire serait là aux aurores et puis je ne l'ai pas vu. Ben, je lui ai écouté... C'est parce qu'il avait dû être dans une autre pièce et vous ne l'avez pas vu. Voilà. Merci. Alors, merci pour votre intervention. Alors, je ne sais pas quel Chennais Courtois vous avez croisé, mais moi, je suis sûr que j'étais à l'école Guinemer ce matin à l'heure prévue. J'ai pu donc échanger pendant trois quarts d'heure avec un certain nombre de parents. Des parents qui n'étaient pas ni énervés, ni inquiets, qui voulaient juste savoir ce qu'ils avaient à faire, et notamment pour la partie test. Donc on a essayé de faire de la pédagogie. Nous avons communiqué sur le site de la ville dès hier soir et ce matin, mais de manière factuelle. L'idée étant à la fois d'être transparent, c'est-à-dire que j'applique exactement pour ces cas le même protocole que ce que j'applique pour les agents de la ville, puisque nous avons été confrontés à cinq reprises à des situations similaires. Donc être transparent, expliquer, rassurer, en tout cas essayer de rassurer. Et en l'occurrence sur cette séquence-là, je veux saluer le comportement des parents. Alors il se trouve que la maman est un agent de la ville
mais entre le jeudi après-midi, apparition des premiers symptômes de la petite fille et le résultat du test, les parents ont été consultés un médecin, ont pris un avis, ont fait faire le test, ont gardé leur enfant chez eux le vendredi, le lundi, le mardi. Et je crois qu'il faut aussi rappeler, avant de demander du progrès dans l'élaboration des protocoles et dans leur application, rappeler chacune et chacun d'entre nous à sa responsabilité individuelle et collective, et donc pour le coup un principe de précaution qui est, quand vous avez un doute, soit pour vous, soit pour vos enfants, d'éviter de créer des situations à risque. Et en l'occurrence, là, les parents ont été extrêmement, extrêmement prudents et, j'allais dire, on s'en tire plutôt bien de n'avoir qu'une seule école, une seule classe touchée dans l'école, avec des comportements plus irresponsables, nous aurions une situation plus difficile à gérer. Voilà, donc je souhaitais qu'on puisse partager ces informations. On continuera à le faire en fonction de celles dont on dispose, puisque je rappelle que dans le cas présent, cette classe elle est sous la responsabilité de l'éducation nationale et qu'il faut aussi que chacun se tienne à son périmètre. Après, c'est de notre responsabilité d'informer nos administrés. C'est ce que nous avons fait aussi rapidement que possible et avec les infos dès qu'elles étaient contrôlées. Un petit mot pour, puisque nous avons reçu une dizaine de lettres de remerciement d'associations pour les subventions qui ont été versées, donc je les joindrai au PV du Conseil, pour remercier celles et ceux qui ont remarquablement travaillé à la préparation, à l'organisation de la journée des associations et de la fête des familles le week-end dernier, dans un contexte sanitaire qui était celui que vous connaissez. Ça a été un événement, je crois, apprécié par chacune et chacun des participants, donc je voulais ici remercier tous les services qui avait œuvré à la préparation et à la réalisation de ces deux journées. Nous allons donc ouvrir l'ordre du jour avec un premier point qui concerne une proposition d'attribution de subvention pour la ville de Beyrouth. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient en congé le 4 août, mais vous n'avez pas pu manquer cet événement dramatique. Il se trouve que la région Île-de-France est depuis longtemps partenaire de la ville de Beyrouth et que la présidente de région a pris l'initiative de solliciter les maires des grandes villes d'Île-de-France pour s'associer à une action de solidarité. Et donc je me suis permis de répondre favorablement. À l'époque, les modalités d'aide n'étaient pas définies, mais je crois que sur le principe, je n'étais pas trop inquiet de votre assentiment, mais je tenais particulièrement à ce qu'il y ait un vote en conseil pour entériner cette décision. Entre-temps, les modalités se sont précisées. L'une des grosses inquiétudes, c'était de savoir quel usage serait fait de l'aide financière qu'on pourrait apporter, puisque c'est toujours un peu compliqué. Et donc, l'association qui a été identifiée comme partenaire s'appelle ACTED, et ce que je vous propose donc ce soir, c'est de voter le principe d'une aide de la ville du Chinerot-Concours à Beyrouth pour un montant de 10 000 euros sur des programmes de relogement dans un certain nombre de quartiers qui sont directement concernés. 10 000 euros, c'est une goutte d'eau dans les besoins de la ville de Beyrouth. Dans notre budget, c'est pas complètement anodin, mais nous sommes une ville de 30 000 habitants, et je crois qu'il me paraissait important que nous puissions manifester notre solidarité. Et vous savez que notre ville comporte une communauté importante d'origine libanaise, et je crois que c'est aussi de notre devoir, au-delà de ce que la région nous propose. Voilà, donc s'il y a des souhaits d'intervention, je suis tout prêt à les écouter. Monsieur Briot. Merci. Tout à fait, vous avez raison, nous avons une communauté libanaise importante au Chinerot-Concours. Je note votre soutien à Valérie Pécresse et je transmettrai à notre conseil régional qui sera très heureuse de lui dire. C'est vrai que les budgets des communes ne sont pas forcément faits pour aider toutes les misères du monde parce que nos 40 millions d'euros ne suffiraient pas. Mais bien évidemment, nous voterons pour. J'ai été contacté par les représentants de la communauté libanaise. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont appelé puisque je les connais quand même en tant que maire depuis pas mal d'années. Et je pense qu'en parallèle, il pourrait être fait des aides avec les familles de notre commune en lien direct avec leurs familles à Beyrouth. C'est une démarche qui pourrait être faite par la commune. En tout cas, notre groupe démarre cette démarche, je dirais, entre familles d'ici et familles de Beyrouth. Vous savez que ce sont des familles très liées dans les deux pays. On dit que la communauté libanaise est plus importante à l'extérieur au Liban qu'au Liban. Donc peut-être pourrions-nous compléter cette aide financière pour le logement, pour aller plus loin pour des aides, puisqu'il y a des gens qui n'ont même plus de quoi
se vêtir. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de notre groupe. Merci. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération, qui sera sans doute la plus importante de la soirée, sur la création des conseils de quartier. Je donne la parole à Monsieur Konsdorf. Merci, Monsieur le maire. Alors, en introduction, en fait, je souhaiterais brièvement faire un point sur la démocratie locale, en fait, qui se matérialise dans notre commune sous différentes formes et dont l'existence, en fait, ne dépend pas exclusivement des conseils de quartier que nous allons créer. Je peux l'enlever ? Donc la démocratie locale s'exerce d'abord dans les informations données aux administrés, qui témoignent en fait de la transparence de l'action publique. Elle se concrétise aussi par des informations régulières, donc dans le journal municipal, le site internet de la mairie, sa page Facebook, mais aussi par la retransmission des conseils municipaux en direct, qui vont perdurer en fait à l'avenir, par des permanences du maire et des élus, ou encore des Facebook Live réguliers du maire avec les habitants de la ville. La démocratie locale se matérialise également par les réunions que nous pouvons avoir entre élus. C'est le cas au niveau de ce conseil municipal, mais aussi avec les commissions qui sont mises en place. Tous ces éléments participent à la démocratie locale en informant et en échangeant. Et nous proposons aux habitants de la commune deux nouveaux outils. Une application sur smartphone qui sera mise en place très prochainement et qui permettra de faire remonter les informations pratiques à la mairie et de questionner les administrés sur de nombreux sujets. Et les conseils de quartier, qui sont donc le cœur du sujet de la délibération de ce soir. Alors, petit rappel de contexte, les conseils de quartier sont régis par une loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Cette loi impose en fait la création des conseils de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants, enfin de 80 000 habitants et plus. Mais les communes plus petites peuvent créer des conseils de quartier afin de favoriser la participation citoyenne. Notre commune a moins de 80 000 habitants, c'est donc un choix que nous avons fait de proposer cet outil au Chesnay-Courtois. Il nous a semblé nécessaire, au regard des entretiens et rencontres que nous avons eus avec les administrés, de leur donner un moyen d'expression adapté en fonction de leur lieu de résidence et de leur sujet de préoccupation. Le conseil de quartier est un outil de démocratie participative. Il constitue un lieu d'écoute, d'expression, de concertation. Comme le stipule la loi, c'est un organe consultatif qui regroupe des habitants volontaires d'un même quartier. Il n'est donc pas ici question de co-gestion. Le conseil municipal conserve sa capacité décisionnelle. Les conseils de quartier ouvrent donc une possibilité de dialogue simplifié entre les administrés et la mairie. Ce qui est impossible dans une instance comme le conseil municipal, où les administrés sont spectateurs et ne peuvent pas être acteurs. Enfin, la mise en place des conseils de quartier répond aux engagements que nous avons pris pendant la campagne électorale, qui eux-mêmes résultent d'un besoin d'expression des habitants. Nous avons mené une étude sur ce qui se faisait ailleurs pour des communes de taille similaire et adapté en fait les différentes idées au contexte de la commune et à ce que nous souhaitions mettre en place. C'est ce projet que nous allons vous présenter ce soir. Pour commencer, les conseils de quartier seront attachés, comme leur nom l'indique, à un espace géographique. Le découpage est réalisé en 6 quartiers dénommés Aubert, Dutartre, Fausse-Repose, Mairie, Roquencourt, Saint-Antoine, conformément à la carte qui est affichée maintenant par le vidéoprojecteur. Ce découpage a été réalisé en fait selon les grands axes de communication de la ville, enfin de circulation, et en prenant en considération le sentiment d'appartenance naturelle des habitants à tel ou tel quartier. Il intègre l'intégralité de la commune, ce qui explique en fait qu'on a le bois de Fausse-Repose intégralement, etc. Pour ce qui concerne le fonctionnement de ces conseils de quartier, je vais commencer par l'organisation. Donc, les administrés vont être sollicités dans les jours qui viennent sur différents vecteurs de communication de la mairie par l'intermédiaire d'un formulaire à remplir ou à retourner. Il sera disponible sur le site internet de la mairie en version dématérialisée sur la page Facebook. Un flyer sera également distribué et sera disponible à l'accueil de la mairie qui permettra de s'inscrire. Les habitants vont donc pouvoir candidater pour y participer. Les participants seront ensuite sélectionnés selon différentes méthodes par tirage au sort et nomination pour être à la fois titulaire et suppléant. Les suppléants sont là pour donner en fait une certaine forme de souplesse au dispositif et faire en sorte que le fonctionnement soit pérenne. Les titulaires
désigne le vice-président dont le rôle est de proposer les ordres du jour, d'animer et de faire la police des réunions des conseils de quartier. Dans ce contexte, il est assisté dans ce rôle par un élu référent au conseil de quartier. On pourrait peut-être mettre le... Ce sera peut-être un petit peu plus facile. On a fait un petit schéma très très simplifié pour expliquer comment ça fonctionne. Donc les titulaires participeront au débat et auront la possibilité en fait de voter sur les sujets qui seront proposés au maire. Dans le détail, les conseils de quartier seront constitués en fait de personnalités qualifiées. Donc il y a deux personnes, deux titulaires et deux suppléants désignés par le maire. Un collège des associations avec un titulaire et un suppléant tiré au sort. Un collège des habitants avec quatre titulaires et quatre suppléants tirés au sort également. Un représentant d'opposition avec un titulaire et un suppléant désigné par le chef de file de l'opposition. Un élu référent de la majorité désigné par le maire avec un suppléant. Et l'adjoint à la démocratie locale. Pour ce qui concerne l'organisation des réunions, le vice-président et l'élu référent vont animer en fait les débats et font la police de l'Assemblée. Ils s'occupent d'établir l'ordre du jour des réunions qui sera soumis au maire et qui sera réalisé en fait en concertation avec les membres du conseil de quartier. Le maire déterminera ensuite l'ordre du jour des conseils de quartier sur les propositions qui lui seront faites, mais aussi sur des sujets qu'il souhaite voir traités. Et c'est lui qui convoque en fait les conseils de quartier. Les conseils seront ouverts au public. Les habitants du quartier en fait, pourront donc participer au débat ou aux échanges, mais je tiens à préciser quand même dans le respect de la parole des autres et des animateurs. Un compte-rendu des débats sera communiqué au maire et à l'adjoint à la démocratie locale. Le compte-rendu fera l'objet de réponses et un bilan annuel sera réalisé pour l'ensemble des conseils de quartier. Donc, l'activité des conseils de quartier fera l'objet d'une information à minima sur le site de la mairie où un espace dédié sera créé pour informer les administrés en fait en toute transparence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Je vois une main se lever, Madame Bigère. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je me permets d'intervenir sur un sujet bien spécifique, qui est celui de la copropriété de Parly 2. Comme vous le savez, Monsieur le maire et certains d'entre vous, j'exerce donc des fonctions dans cette copropriété depuis un certain nombre d'années. Et j'ai bien entendu effectivement l'exposé de Monsieur Konsdorf, mais je ne vous cache pas que je m'inquiète sincèrement que les conseils de quartier que vous proposez n'aillent à l'encontre du fonctionnement de la copropriété de Parly 2. Je me permets de rappeler pour le public et puis certainement pour certaines personnes du conseil municipal que Parly 2 comprend 36 résidences, que Parly 2 regroupe 60% de la population chênais-courtoise et que si chaque résidence est bien dotée d'un conseil syndical secondaire, les prérogatives de chacun de ces conseils sont volontairement limitées. Et que si la copropriété de Parly 2, qui est considérée aujourd'hui quand même comme la plus grande copropriété d'Europe, a su aussi bien vieillir au bout de 50 ans, c'est parce que, essentiellement, les décisions sont centralisées au sein d'un conseil syndical principal qui a véritablement pour vocation et pour leitmotiv depuis toujours de garantir l'harmonie de la copropriété. Donc aussi, jusqu'à maintenant, l'interlocuteur de la ville a toujours été le bureau du conseil syndical, c'est-à-dire son président et les membres donc, de ce bureau, et certainement pas les présidents des différentes résidences. Ceci a permis donc, des échanges réguliers entre la ville et la copro sur les grands enjeux des deux parties. Or, aujourd'hui, dans la nouvelle configuration que vous proposez, si je la comprends bien, la copropriété de Parly 2 va être divisée en 5 quartiers, puisque Parly 2 va avoir des résidences présentes dans 5 quartiers à l'exception, donc du quartier Saint-Antoine. Et si je reprends bien l'article 3 de la charte que vous nous avez proposée, les compétences de chaque conseil de quartier seront territoriales. Donc moi, très sincèrement, je comprends simplement que l'unicité de la copropriété avec ce système ne pourra plus être assurée.
et que je m'inquiète donc sincèrement d'une remise en cause des principes de gestion de cette copropriété qui existe depuis 50 ans. Et ne nous cachons pas des difficultés supplémentaires, puisque je me permets de rappeler que la copropriété est animée par des bénévoles, 300 bénévoles qui ont une tâche extrêmement difficile. Donc, à moins de m'apporter un complément à ce que je viens de vous exposer, je ne pourrai que voter contre les conseils de quartier, pour cette raison exclusivement. Merci. Je vais me permettre d'essayer d'apporter des réponses. Je crois qu'il y a, confusion. La copropriété de Paris 2, elle gère effectivement une grande copropriété. Les conseils, que ce soit le conseil syndical principal ou le conseil secondaire, n'ont pas vocation à gérer des sujets de démocratie locale. Ils gèrent des sujets de charges, d'investissement, de règles de vie commune à la copropriété. Ils n'ont pas vocation à s'exprimer, en tout cas pas plus ou pas moins que n'importe quel autre citoyen, sur des sujets relatifs à la vie commune. Les conseils de quartier n'ont aucune vocation à se substituer aux instances de gestion de quelque copropriété que ce soit, Paris 2 ou n'importe quelle autre copropriété, car je rappelle que si Paris 2 est une très grande copropriété, il y en a quelques autres au Généraux Concours qui vivent dans tous les autres quartiers. Voilà, donc je crois qu'il faut être très clair, en tout cas dans votre propos, il me semble qu'il y a une confusion sur les fonctions. Il est hors de question de petit à s'immiscer dans la gestion de cette copropriété. Si elle veut un jour faire évoluer ses instances, elle a des instances pour le décider, mais ce n'est absolument pas l'objet des conseils de quartier. Notre volonté, par contre, c'était d'éviter qu'il y ait un quartier qui soit exclusivement composé de résidences de Paris 2. Le sujet de ces conseils de quartier, c'est d'aider les gens à mieux se comprendre et à décloisonner et à partager sur des sujets communs, notamment par exemple sur ce qui se passe sur la voirie, qui intéresse tout le monde, les résidents de Paris 2, mais aussi les voisins des résidents de Paris 2, parce qu'il y a des résidences qui sont limitrophes de quartiers, entre guillemets, ordinaires. Et ces conseils de quartier, ils ont vocation, entre autres, à permettre ces rencontres et à aborder des sujets qui ne sont en aucun cas des sujets de gestion des copropriétés grandes ou petites. Ça va être des sujets qui intéressent l'ensemble de la commune. Et comme l'a dit Christophe Consdorf, les conseils de quartier, ce sont des instances consultatives, en aucun cas décisionnaires. Donc je crois qu'il faut, il faut pas mélanger les choses. La vie de Paris 2 va continuer, les conseils syndicaux, qu'ils soient secondaires ou principaux, vont continuer à vivre. Les rencontres entre la ville et le CSP continueront à exister, toutes les instances d'échange vont continuer à exister. Et pour autant, pour les Parisiens qui le souhaitent, car je rappelle que ce sera sur la base du volontariat, et que du volontariat, les Parisiens qui souhaiteraient s'investir demain dans ces conseils de quartier, me semble-t-il, ont toute leur place. Vous avez rappelé très justement que les habitants de Paris 2 représentent près de la moitié des habitants de cette ville. Comment pourrait-on imaginer les exclure de ces instances d'échange démocratique telles qu'on les imagine? Donc voilà, je voulais juste repréciser ça, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment une confusion. Alors on n'a peut-être pas été très clair dans ce qu'on vous a décrit des conseils de quartier, mais les instances de gouvernance de Paris 2, petit a, je le redis, elles ne regardent pas la ville, en tout cas elles ne regardent pas la ville dans leur mode de fonctionnement. Les modalités de dialogue entre la ville et Paris 2, elles sont connues, elles sont peut-être à améliorer, à revitaliser, et je m'expliquerai le moment venu avec mes interlocuteurs, mais les conseils de quartier n'ont absolument en aucune façon vocation à se substituer, à doubler ou à priver de quelque manière que ce soit les instances que vous avez décrites. Voilà. Y a-t-il Monsieur Toledano? Je ne vous reconnaissais à peine car vous avez fait disparaître votre magnifique moustache. Merci vous de l'avoir remarqué. Vous avez gagné 10 ans. Oui, merci de l'avoir remarqué. C'est pour cela que j'ai retiré mon masque. Comme vient de le rappeler M. Consdorf, effectivement, la mise en place des conseils de quartier est une idée déjà ancienne. En effet, la loi du 27 février 2002, comme il l'a rappelé aussi, relative à la démocratie de proximité, dite loi Vadian, avait officialisé leur déploiement et précisé leur objectif, qui était de permettre une meilleure association des citoyens aux décisions locales en renforçant la démocratie participative. Comme il l'a dit aussi, au Généraux Concours, le projet de mise en place de ces conseils fait suite à une promesse électorale de l'équipe nouvelle. Par contre, ce qu'il n'a pas précisé, c'est les conclusions des activités des conseils déjà créés depuis 2002 dans plusieurs communes qui révèlent une fréquentation qui s'amenuise au fil du temps du fait d'une mainmise de leur mairie sur l'organisation et les décisions de ces conseils et montrant ainsi une attractivité très réduite. Nous espérons bien sûr qu'au Chesnay, il en sera autrement. Mais alors, comment expliquer que des décisions concernant le quotidien des habitants, telles que les modifications des trajets de bus,
de la circulation avenue de Basseux et du projet de la gare routière n'ont fait l'objet d'aucune concertation avec les habitants. Cela aurait mérité d'être soumis et débattu dans ces conseils de quartier à venir et pour ce faire, d'attendre leur mise en place au lieu de décisions unilatérales dans l'urgence au motif allégué de rentrée scolaire et de crise sanitaire. On ne peut prétendre, monsieur le maire, s'appuyer sur l'idée d'une démocratie participative citoyenne et dans le même temps agir seul de façon directive. C'est pour cette raison que je m'abstiendrai. Bien, monsieur Toledano, je ne vais pas refaire le contenu du conseil du 8 juillet. J'entends, je comprendrai que je ne partage pas complètement vos points de vue. On met en place ces conseils de quartier à la fois avec sérieux, mais aussi rapidement que possible. Je rappelle qu'on est en place depuis bientôt 4 mois, donc je crois qu'on n'a pas traîné, et qu'on a trouvé, en arrivant, un certain nombre de dossiers, dont le dossier de la refonte de bus, qui était sur la table et qui ont fait l'objet de beaucoup d'échanges. Alors, est-ce que c'était de la concertation? Vous demanderez à votre chef de file ce qu'il en pense. Mais c'est un sujet qui a été très, très largement débattu, qui a fait l'objet de très nombreux échanges. Et à un moment, et ce sera le cas dans tous les sujets qui passeront dans les conseils de quartier, il y aura un temps de concertation, il y aura un temps de synthèse, il y aura un temps d'arbitrage et un temps de mise en œuvre. Et en l'occurrence, pour les bus, depuis très longtemps, on était dans le temps de la mise en œuvre. Et donc, j'assume pleinement le fait d'avoir pris les décisions qui avaient fait en leur temps l'objet d'échanges. Le travail de synthèse n'avait pas été extraordinaire. Mais voilà, à un moment, arrive le temps de la décision. Et en l'occurrence, sur un certain nombre de sujets, le temps était venu de décider. Mais rassurez-vous, voilà, on prendra pour tous les sujets qui sont à l'instruction le temps d'échanger. Et M. Consdorff l'a rappelé, c'est le conseil municipal, et vous en faites partie, qui prendra le temps des décisions. Les conseils de quartier sont des instances qui donnent des avis. Voilà, donc je pense que c'est utile de prendre le temps de recueillir les avis. Je l'ai dit à un certain nombre de mes interlocuteurs cet été, ce sera aussi l'occasion pour l'ensemble des parties prenantes de s'écouter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont réclamé de la concertation, mais qui n'ont pas fait preuve d'une écoute absolument extraordinaire. Donc, les conseils de quartier, c'est aussi l'occasion de se rendre compte que on peut s'écouter, mais on peut avoir un voisin qui a un avis radicalement différent du vôtre, et ce sera notre responsabilité de faire la synthèse, d'arbitrer, en se laissant guider par l'intérêt général. Voilà. Monsieur Briot. Merci. En fait, il s'agit de la troisième intervention, intervention par rapport à la copro de Parly 2, intervention sur des décisions qui ont été prises depuis quelque temps sans cette concertation. Moi, je voulais juste vous dire que si vous aviez sollicité notre groupe, éventuellement par mon intermédiaire en tant que chef de file, je serais venu vous voir volontiers, comme on voit d'ailleurs le président de la République ou le Premier ministre, voire des opposants forts, mais les rencontrer sur des sujets importants. La démocratie, elle est fondamentale, je suis complètement d'accord. Alors, est-ce qu'on l'a bien fait, est-ce qu'on ne l'a pas bien fait, est-ce qu'elle peut être améliorée? Bien évidemment, tout cela, c'est vrai. Nous avions, il y a une vingtaine d'années, fait ces conseils de quartier. Pourquoi on les a arrêtés? Parce que le schéma... Monsieur Soleil, vous me laissez juste terminer, s'il vous plaît? Oui, le monde a changé depuis. Merci. Je dis que votre schéma est archaïque et que si vous nous aviez sollicité, nous aurions apporté notre contribution. Ce n'est pas le conseil privé qui suffisait. Et je vais résumer en une phrase. Comment peut-on mettre un outil de démocratie avec une méthode autocrate qu'on ne peut pas discuter? C'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont bien plus performants, qui permettent de dialoguer avec l'ensemble de la population, parce qu'on s'aperçoit que les sujets deviennent de plus en plus généraux et concernent l'ensemble des quartiers. Je pense que le schéma d'une démocratie telle que vous la voyez me paraît nécessaire, mais dans l'organisation verrouillée, dans le schéma, je pense, un peu archaïque, et par rapport à Parly 2, puisque vous parliez de voirie, la voirie, c'est une compétence du CSP et pas du secondaire. Par la voirie communale, M. Briot. Non, mais attendez, monsieur. Non, mais le maire. Je connais bien le sujet aussi. Et quand vous allez voir dans le quartier Martin Luther King, un permis de construire sur Martin Luther King, la rue de la ferme, la forêt, l'accès ou autre, ben vous verrez que ça dépassera largement ce quartier et qu'il y aura là, effectivement, peut-être quelques problématiques. Donc, nous sommes tout à fait favorables à la démocratie. C'est pour ça que nous ne voterons pas contre. Nous nous abstiendrons. Et nous attendrons des jours meilleurs. Merci. Bien, vous m'autoriserez, Monsieur Briot, à vous rappeler que pendant 30 ans, vous avez eu tout le loisir de tester des outils plus modernes que l'outil archaïque que nous mettons en place.
à moins d'avoir raté quelques épisodes sur les 6 dernières années, je ne vous ai pas vu ni donner beaucoup de place dans des échanges bilatéraux avec l'opposition, ni organiser de quelque manière que ce soit des instances de démocratie locale moderne, voire très moderne. Je n'ai pas vu d'outils numériques, je n'ai rien vu de tout ça. Donc, je crois que vous avez eu le temps, sans remonter 30 ans en arrière, vous avez eu le temps de tester des choses. Je crois qu'on ne vous a rien vu tester. On vous a surtout lu pendant la campagne dire tout bien que vous pensiez des conseils de quartier. Ça n'a échappé à personne. Nous allons nous humblement tester ces outils archaïques avec des moyens modernes de communication. Nous sommes parfaitement conscients que les conseils de quartier ne sont pas la panacée, mais nous pensons qu'ils sont un outil nécessaire. J'ai parfaitement entendu, et M. Toledano a raison de nous le rappeler, c'est des outils qui peuvent très vite s'user. C'est des outils qui peuvent très vite, s'ils sont mal utilisés, être détournés de leur objet premier. Et c'est pour ça que j'ai souhaité et que l'opposition du Conseil soit présente dans ces quartiers pour servir de force de rappel. Je vous laisserai juger au moment où je choisirai un certain nombre de personnes de ma capacité à veiller à ce qu'il y ait l'ensemble des parties prenantes représentées. Je crois profondément que ces conseils de quartier, ils sont là pour nous stimuler, pour être un lieu de débat. Et donc, évidemment, que s'ils sont monochromes, ils ne rempliront absolument pas leur fonction. Mais ils ne fonctionneront que si nous avons des citoyens volontaires et engagés pour les faire vivre et que si nous les nourrissons. Donc ça, c'est vraiment de la responsabilité du Conseil, pas que de la majorité, mais évidemment la majorité, de veiller à mettre régulièrement en débat au sein de ces quartiers et parfois sur plusieurs quartiers, puisque M. Briot, vous l'avez rappelé, certains sujets seront communs ou connexes entre deux quartiers et parfois certains sujets concerneront tous les conseils de quartier. C'est de notre responsabilité de les faire vivre. Et nous nous y emploierons, en tout cas avec ardeur. Monsieur Consdorff, est-ce que vous... C'est bon. Eh bien, allez-y, monsieur Consdorff, complétez. Oui, les conseils de quartier, en fait, comme je le disais tout à l'heure, seront complétés en fait, par une application qui, elle, pourrait être utilisée en fait, pour questionner les habitants de manière générale. Donc, on aura un retour statistique, je dirais, avec un certain nombre de réponses à des questions que l'on se pose et sur lesquelles on pourra avoir des informations pour pouvoir trancher dans de meilleures conditions. Voilà. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Monsieur Toledano. Je voulais juste faire une remarque et je le fais d'une façon très solennelle. Depuis que je siège au sein de ce conseil, à chaque fois que Philippe Briot prend la parole, il est stigmatisé. Il y a une reformulation de ce qu'on lui dit, de la part d'ailleurs de mon ami Soleil ou de vous-même. Il faut savoir ici ce conseil est fait d'une majorité de nouveaux élus et on ne va pas traîner derrière nous l'histoire de ce qui s'est passé dans ce conseil avant l'élection actuelle. Je vous demande d'arrêter de stigmatiser à chaque fois pour répondre à Philippe Briot, de rappeler vos relations du passé. On en a assez de ce type de réponse. Répondez à ce qu'il dit, mais arrêtez de stigmatiser. Merci. Alors, M. Toledano, je ne crois pas avoir jamais stigmatisé aucun d'entre vous. Je rappelle que M. Briot revient très régulièrement dans quasiment chacune de ses interventions sur ce qu'il a fait ces 30 dernières années. Donc, ce n'est pas moi qui renvoie les conversations vers ce qui s'est passé avant. Je crois que c'est notre droit, en tout cas le mien, de répondre et de revenir sur des sujets qui sont évoqués dans le passé. Après, on est plutôt tourné vers l'avenir, mais on ne doit pas mettre la même chose dans le mot stigmatisation. Il n'y a aucune stigmatisation. Il y a du dialogue, il y a de l'échange, parfois un peu vif, mais je vous invite à réécouter et à relire attentivement les PV. Celui qui nous renvoie vers ce qui s'est passé avant, c'est régulièrement M. Briot, c'est pas moi, rassurez-vous. Voilà, et je vais donner la parole à M. Soleil puisqu'il a été interpellé. Oui, de la même façon que votre remarque est amicale, docteur Toledano, je vais vous en faire une qui est tout aussi amicale. Moi, je me permets juste, je stigmatise rien du tout. J'ai des relations anciennes avec M. Briot, tout le monde le sait. Elles ne sont pas que mauvaises d'ailleurs, je dois le dire. Mais quand M. Briot nous ramène à 20 ans, 30 ans en arrière, permettez-nous quand même, quand on entend des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, de le dire. Il se trouve que le plus ancien dans ce conseil avec M. Briot, c'est moi. Le plus ancien élu dans ce conseil avec M. Briot, c'est moi. Ça ne donne pas le droit à M. Briot de nous dire des choses qui sont des contre-vérités. J'estime que c'est mon devoir de rappeler à l'Assemblée et éventuellement aux gens qui nous écoutent ce qui me semble être une contre-vérité. Ce n'est pas de la stigmatisation de M. Briot. Alors, on va se tourner un peu vers l'avenir. Et on est ici beaucoup plus de nouveaux élus et avons envie d'entendre autre chose que de rester sur le passé que vous venez d'évoquer. Eh bien, je vous propose de suggérer à votre chef de file de regarder
exclusivement vers l'avenir. Et permettez-moi de vous dire que ça sera tout à fait conforme à ce que nous souhaitons de sa part. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Donc je vous propose résolument de nous tourner vers l'avenir et de nous positionner sur la création et l'approbation de cette charte qui va régir les conseils du quartier. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc, le groupe d'opposition et ses pouvoirs, je présume, donc, pour le groupe majoritaire, à la majorité. Je vous remercie et je remercie M. Konsdorf et l'ensemble des services pour le très gros travail, parce que ça a mobilisé beaucoup d'énergie, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas, à la fois sur les principes, sur les outils, et d'être au rendez-vous aussi rapidement mérite, en tout cas de ma part, un salut appuyé à l'élu et aux services qui l'ont accompagné. Nous allons passer au point suivant qui concerne la modification simplifiée du plan local d'urbanisme du Chesnay. Je passe la parole à Madame Théménides. Merci, Monsieur le maire. Donc, les éléments de contexte. Donc, les articles 302.5 et suivants du Code de la construction et de l'habitation imposent un minimum de 25 logements locatifs sociaux, donc LLS, parmi les résidences principales en 2025. Selon le dernier chiffre officiel, au 1er janvier 2019, le taux de LLS de la commune du Chesnay-Rocancourt était de 15,3%, ce qui représente un déficit de 1445 logements. Le préfet a notifié le nombre de logements sociaux donc à produire pour la prochaine période triennale 2020-2022, et ce nombre est de 722. Le slide suivant, merci. La commune doit donc poursuivre ses efforts et utiliser la possibilité de mobiliser des outils juridiques mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Un de ces outils est le Code de l'urbanisme, qui permet l'intégration d'objectifs de production de logements locatifs sociaux dans le PLU. Donc l'article 151.15 indique que le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logement, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette évolution peut faire l'objet d'une procédure de modification simplifiée du PLU. Alors, pour le Chesnay-Rocancourt, quel est le territoire concerné ? Aujourd'hui, la commune nouvelle a en effet deux PLU, ce qui implique de mener des procédures distinctes. Sur le PLU du Chesnay, nous considérons donc la procédure a été initiée sur ce PLU du Chesnay parce qu'il y a nécessité de mettre en place une telle mesure rapidement au vu de potentialité de programmes immobiliers en cours. Sur la partie, sur la situation là, sur Rocancourt n'est pas la même parce qu'aujourd'hui les potentialités sont très encadrées, il y a peu de possibilités et l'encadrement est déjà fait sur le PLU de Rocancourt. Concernant donc cette modification simplifiée du PLU du Chesnay, elle a donc deux objets. La première, c'est l'intégration d'un quota de production en cas de programme de logement. Et la deuxième, c'est la correction d'une erreur matérielle sur un plan de zonage où un espace boisé a disparu, enfin a été supprimé par erreur lors d'une ancienne procédure. Vous pouvez voir sur la photo, on voit bien qu'il y a à gauche là, le bois et de l'autre côté, sur le PLU, sur le zonage, c'est vide. Alors, comment se passe la procédure simplifiée ? Donc, les principales étapes de cette procédure, de cette modification simplifiée, s'articulent autour des étapes suivantes. Il y a une saisine de l'autorité environnementale qui a été réalisée le 25 juillet. Ensuite, on a une consultation des personnes publiques associées, ce qui donne lieu ensuite à une mise à disposition du public, une mise à disposition du public du projet de modification. Et ensuite, l'approbation de la modification simplifiée après le bilan de cette mise à disposition et de la modification éventuelle du projet pour tenir compte de remarques. Le suivant. Donc, la spécificité de cette procédure simplifiée, c'est qu'elle ne donne pas lieu à une enquête publique, mais à une mise à disposition du public du projet. Et voici l'objet donc, de la délibération, c'est de définir ces modalités de mise à disposition. Donc pendant une durée envisagée entre le... Alors, 15... Pardon, c'est que... Enfin, le slide n'a pas été mis à jour, mais ce serait entre le 19 octobre et le 20 novembre. On mettrait à disposition donc, le dossier en mairie, consultable selon les horaires du service urbanisme, et sur le site internet de la commune. Et dans les deux cas, il y aurait mise à disposition d'un registre, un recueil des remarques et observations éventuelles qui seront donc dans le bilan final.
Merci, Madame Thémenides. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Je reprécise bien, mais vous l'avez à la fin de cette délibération, qu'on repassera au Conseil municipal le projet de modification simplifiée. Mais si vous avez des souhaits d'intervention à ce stade, ils sont les bienvenus. Madame Nocringer. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, nous notons qu'afin d'atteindre le pourcentage de logements locatifs sociaux imposé par l'article 55 de la loi SRU, nous prenons note de la volonté d'imposer dans les futures opérations à venir sur la commune un certain pourcentage de logements locatifs sociaux. Compte tenu de notre expérience, nous vous proposons que le pourcentage de logements locatifs sociaux imposés soit fixé à 30% pour toutes les opérations de logements collectifs d'au moins 30 logements. Nous vous remercions de votre proposition. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Monsieur Briot. Oui, si je puis me permettre, la proposition qui a été faite par notre collègue est nécessaire d'être reprise par vous pour savoir si nous allons voter pour, parce que nous voterons pour, bien évidemment, cette mesure. S'il y a un seuil, s'il n'y a pas de seuil, nous ne pouvons pas voter. Vous imaginez bien qu'un collectif de 10 logements, on ne pourra pas faire 3 logements sur les 10 avec des entrées différentes ou autres. On connaît quand même bien la notion d'urbanisme. Donc, si vous vous engagez à mettre le curseur, je dis 30, après il faut voir, ou peut-être ajuster, je trouve que cette délibération aujourd'hui est insuffisante parce que justement la franchise n'est pas précisée et c'est ennuyeux de voter quelque chose qui n'est pas complet. Votre délibération n'est pas complète, c'est pour ça que j'attends de vous, nous attendons de vous, que vous puissiez le préciser afin que nous nous engagions. Merci. Alors, il y aura un seuil, il sera précisé, mais il y a une commission urbanisme qui travaillera dessus. Donc, les 30% ils sont acquis, le principe du seuil est acquis, le niveau du seuil fera l'objet d'un débat, donc ce sera en commission, en présence de la majorité de l'opposition, que ce niveau de seuil sera tranché. Voilà. Oui, mais monsieur le maire, nous faisons des délibérations après les commissions, pas les commissions après les délibérations. Si je peux compléter, la délibération, elle est sur les modalités de mise à disposition du public du dossier, et non pas sur le fond du dossier. C'est pour ça que j'ai pris le temps, même si je ne doute pas que vous ayez lu jusqu'au bout le projet de délibération. Ça aurait été bien de le présenter comme ça. Mais je crois que ça a été dit et je crois que j'ai pris la peine, avant de vous donner la parole, de dire que l'objet de cette délibe, c'était la mise à disposition du public et qu'on voterait sur le fond ensuite. Donc, il va y avoir un temps de travail en commission et qui sert à ça. Comme d'ailleurs pour les conseils de quartier, puisque tout à l'heure, vous avez parlé d'une décision autocrate, mais il y a eu un conseil privé, c'est-à-dire une commission grand format. Les commissions, elles sont faites pour qu'on travaille, majorité et opposition. Donc, la commission urbanisme aura tout le loisir. Et c'est vraiment son sujet, donc votre intervention est tout à fait fondée. On sera très heureux que vous soyez force de proposition, que vous argumentiez. Je n'ai pas dit qu'on ne s'alignerait pas, mais il y a un temps pour ça. Vous avez réclamé, je crois, pendant l'été, que les commissions se tiennent. Okay. Arrêtez, franchement, laissez-moi terminer. Monsieur Briot, laissez-moi terminer. Okay. Voilà, vous avez réclamé des commissions, les commissions sont installées. Franchement, c'est un sujet qui est complètement au cœur de la commission urbanisme, et donc on aura le temps d'en discuter. Oui. Après, si vous ne voulez pas vous engager sur cette délibération, libre à vous. Mais on a le temps, donc je suis très heureux que vous ayez des propositions sur le sujet et elles seront débattues le moment venu et l'arbitrage sera rendu à l'issue de cette commission. Voilà. Nous nous engagerons dans les conditions telles que vous l'avez dit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Si pas d'autres souhaits, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Nous allons rester avec Madame Thémenides sur une délibération concernant une convention de participation aux actes pour un permis de construire. Madame Thémenides. Donc, la société civile construction et vente Les Terrasses de Rocancourt a déposé une demande de permis de construire sur le terrain situé 2 rue de Chèvreloup à Rocancourt pour la construction d'un ensemble de 49 logements locatifs sociaux, justement. Ce terrain est inclus dans le périmètre de la ZAC du Bourg qui a été créé par une délibération de la commune historique de Rocancourt en 2009. Dans cette délibération, le conseil municipal avait fait le choix d'écarter l'application de la TLE, la taxe d'aménagement aujourd'hui, au profit du régime de participation de la ZAC. Donc, en application de ce principe et conformément aux modalités, au traité de concession qui lie la commune et l'aménageur, donc l'aménageur étant la société Citalios, un projet de convention de participation a été préparé par l'aménageur en concertation à la ville et soumis aux terrasses de Rocancourt, qu'il a accepté. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention qui prévoit le versement
par le constructeur d'une participation de 122 kg, qui est un montant prévisionnel qui sera ajusté en fonction de la surface de plancher réellement construite. Pardon. Cette participation est versée à la ville en une fois lorsque la société aura acquis le terrain. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Briot. Oui, alors vous allez dire que j'interviens souvent sur le passé. Le passé, c'était le 14 mars et avant. Aujourd'hui, vous gérez ce qui a été fait par les prédécesseurs, comme nous, nous avons fait ce qui a été fait par les prédécesseurs. Ce fameux terrain a été un dossier compliqué pour le maire de Recancourt, ici présent, et ses élus, et principalement M. Noyer. Excusez-moi, je ne vais pas être très long, mais je crois que c'est important parce que quand les gens vont voir la démolition et la construction, ils vont s'interroger puisque c'est sur la 307 et nous avons 60 000 voitures par jour qui passent devant. Donc c'est visible et obligatoirement les gens peuvent nous demander à toutes et à tous des comptes. Cet immeuble affreux en briques avec des bureaux a fait l'objet d'une demande de transformation en logement et a été inclus dans le règlement de la ZAC du bourg. Pourquoi de l'autre côté de la 307, alors que c'est très dangereux ? Parce qu'il était prévu, et je tiens à saluer Philippe Noyer qui avait fait un très gros travail, un souterrain pour les piétons et pour les voitures. Cet aménagement n'est pas... À l'unanimité, merci. Nous allons passer la parole à M. Jarige pour une délibération concernant l'exonération de la redevance de stationnement de taxi. M. Jarige. Merci, M. le maire. Par délibération en date du 7 octobre 2019, le montant de la redevance d'occupation d'un domaine public dont doivent s'acquitter les exploitants des autorisations de stationnement de taxi délivrés par la commune nouvelle Le Chesnay-Recancourt a été fixé à 293 euros par semestre à compter du 1er janvier 2020. Dans la mesure où 24 autorisations de stationnement ont été créées et sont pourvues, cette redevance doit générer un produit annuel pour la commune de 14 064 euros. Or, dans le contexte de crise sanitaire provoquée par la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les taxis subissent une diminution considérable de leur activité cette année, en raison d'une baisse drastique de la demande. Ainsi, de mi-mars à mi-mai dernier, les mesures de confinement de la population ont abouti à un trafic quasi nul. Puis, depuis la sortie du confinement, la réduction des déplacements pour affaires et les restrictions en matière de voyage de tourisme conduisent à une raréfaction des courses lucratives vers la gare et aéroport. Donc, il est proposé à l'Assemblée de soutenir ce secteur d'activité et en l'espèce des 24 exploitants rattachés à la commune du Chesnay-Recancourt en renonçant à percevoir la redevance de taxi pour l'exercice 2020. Cela représente donc une baisse de charge par taxi de 590 euros par exploitant. Voilà. Merci, M. Chérigier. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci pour les taxis. Avant d'attaquer une séquence culturelle, et puisque on est dans la solidarité, je voudrais d'une part remercier le travail remarquable du service culture et la très belle organisation de la soirée de présentation de la saison. C'était une première. Pour ceux qui ont pris la peine de venir, il y avait une très belle émotion. Ça nous a permis de revoir en vrai des artistes qui ne travaillent pas depuis près de 6 mois. Et vous savez, pour ceux qui en connaissent, que l'été était extrêmement difficile pour eux. Nous avons fait le choix, d'une part, de maintenir la programmation, donc de ne pas décaler, comme d'autres villes l'ont fait, des spectacles. Le spectacle vivant est très fragile, il est pas loin d'être en danger de mort et je crois que c'est notre responsabilité. On ne peut pas tout attendre de l'État pour les collectivités territoriales qui le peuvent et celles qui ont des théâtres d'être au rendez-vous. Donc j'ai demandé à ce que, tant qu'on nous permet de nous réunir, que la programmation soit maintenue, qu'il n'y ait pas donc de renégociation ni dans le temps ni dans les cachets. Et j'insiste là-dessus parce qu'un certain nombre de villes l'ont fait. Je crois que ce ne serait pas correct, pas très digne. Donc de maintenir la programmation et les budgets qui était prévu pour cette saison, quelle que soit la jauge qu'on nous impose. Dit autrement, ça veut dire que je fais prendre à la ville un risque financier, si jamais les jauges sont ce qu'elles sont aujourd'hui, plus sévères.
mais je crois que c'est très important d'envoyer un message au monde du vivant qui est très présent depuis particulièrement 10 ans, depuis que la grande scène est ouverte. On a une très belle programmation, on a des artistes fidèles qui traversent une période extrêmement difficile. Et je crois que voilà, il est important que nous leur envoyions un message de soutien, et je peux vous dire qu'il a été apprécié. Voilà, donc je voulais partager ces éléments avec vous, et je donne dans la foulée la parole à Monsieur Vengère pour une séquence de délibération sur son périmètre. La première concerne la bibliothèque avec l'adhésion. Oui, pardon, Monsieur Briot. Merci Monsieur Soleil. Merci d'avoir respecté les engagements que nous avions réalisés. Notre équipe, puisque avant de partir, j'avais signé l'ensemble des contrats. Donc, cette programmation est une collaboration de vous-même avec votre équipe, mais surtout de vous-même, puisque vous êtes engagé à respecter les contrats que j'avais signés avec toute équipe. Et je crois que c'est important, vous l'avez dit, mais malheureusement, j'espère que l'aggravation du Covid ne va pas nous entraîner peut-être à des obligations plus difficiles. Alors c'est vrai, les contrats ont été signés pour des montants donnés, et donc quand vous dites qu'il y aura un risque peut-être de baisse de recettes, c'est possible, ben, ça s'appellera une subvention culturelle, et nous ne pouvons que nous en féliciter. En tout cas pour moi, c'est un travail collégial entre nous tous, et je nous en félicite pour les chaînes courtoises, merci. Et les chaînes courtoises, bien évidemment. Merci. Monsieur Vengère, pour la délibération concernant l'adhésion de diverses associations à la bibliothèque. Merci, Monsieur le maire. Au fil des années, la bibliothèque a adhéré à diverses associations professionnelles en fonction de l'évolution de ses besoins. Ces adhésions avaient fait l'objet de délibérations du conseil municipal de la commune historique du Chesnay. Il est nécessaire, pour des raisons juridiques, de délibérer sur ces adhésions au titre de la commune nouvelle. Ces associations sont au nombre de 4, l'Association des bibliothécaires de France, ABF. L'ABF est la principale association des bibliothécaires en France qui propose journées d'études, formations, congrès annuels, diverses commissions, publications de revues et de livres spécialisés. Le coût de l'adhésion s'élève à 260 euros par an et donne droit aux avantages suivants: une voix lors de vote en Assemblée générale, la gratuité pour 2 représentants ou représentantes de la collectivité pour participer aux journées d'études, un tarif préférentiel pour 2 représentants ou représentantes de la collectivité au congrès annuel de l'ABF, et un tarif préférentiel pour l'abonnement à la revue de l'association. Deuxième association, l'Association des bibliothécaires des Yvelines, Intermédia 78. L'association Intermédia 78 assure des missions similaires à celles de l'Association des bibliothécaires de France. Son rôle est d'autant plus important depuis que le conseil départemental a fait le choix de fermer sa bibliothèque départementale de près. L'association la supplée donc en organisant des formations, des journées d'études gratuites et des partenariats entre les structures adhérentes. Le directeur de la bibliothèque y est investi à titre personnel. Le coût de l'adhésion s'élève à 70 euros par an. L'Association de coopération pour l'accès aux ressources numériques en bibliothèque, CAREL, la bibliothèque propose une offre de ressources en ligne conséquente à ses usagers, vidéos en ligne, livres numériques, aide aux devoirs, préparation du permis de conduire, etc. L'association CAREL, mise en place par des bibliothécaires territoriaux, contribue à améliorer les offres disponibles sur le marché par la négociation avec les prestataires, évalue les offres existantes et contribue au développement d'une offre accessible aux personnes handicapées. Le coût de l'adhésion s'élève à 50 euros par an. En adhérant à cette association, la bibliothèque accède à l'espace adhérent du site internet de l'association CAREL pour bénéficier de retours d'expérience, de tarifs négociés avec les prestataires et d'analyse des ressources existantes sur le marché. Et enfin, le club des utilisateurs d'Orphée, CUTO. La bibliothèque est dotée d'un logiciel de gestion nommé Orphée, fourni par la société C3RB. Un club utilisateur a été constitué en 1984 pour permettre un partage d'expériences et les échanges de pratiques professionnelles qui sont nécessaires pour suivre les évolutions du logiciel et inciter le développeur à faire évoluer son produit. Le coût de la cotisation s'élève à 160 euros par an. L'adhésion permet d'accéder au forum de discussion sur le site du CUTO, de participer à des actions de formation ou d'information mises en place localement. Y a-t-il des questions ?
priori, je n'en vois pas. On va donc passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Monsieur Vengère, vous pouvez poursuivre sur la délibération concernant la modification de la tarification pour les brocantes de livres de la bibliothèque. Brocante de livres, effectivement, tous les ans, la bibliothèque procède à l'achat de 5000 nouveaux livres. Pour des raisons évidentes de place, elle doit donc retirer la même quantité d'ouvrages. Ce travail appelé désherbage est réalisé sur la base de 4 critères principaux, l'état physique du document, son usage par le public, c'est-à-dire le nombre de prêts, sa pertinence et sa redondance. Cette pratique permet donc de proposer aux lecteurs des collections en bon état, pertinentes, actualisées, et bien sûr de libérer l'espace nécessaire à l'achat de ces nouveaux livres. Cela permet également d'ajuster l'offre aux besoins évolutifs des publics et donc d'accroître l'attractivité de la bibliothèque. Les ouvrages retirés des rayons sont proposés en premier à d'autres services municipaux tels que les crèches, le service jeunesse, les écoles. Les ouvrages restants sont mis en vente lors de brocantes. Les recettes émanant de ces brocantes permettent à la bibliothèque de récolter quelques recettes en plus de ses recettes courantes, émanant principalement des inscriptions et de la reprographie. Les tarifs de vente jusqu'à présent étaient les suivants. Tout document hors beau livre, 1 euro, par exemple les livres pour enfants, et les beaux livres, 2 euros. Il est proposé de modifier ces tarifs de la façon suivante. Petit format et livres en mauvais état, 1 euro. Tout autre document, 2 euros. Le tarif des romans adultes, des bandes dessinées ou des essais qui forment l'essentiel des ventes s'élèverait donc à 2 euros, ce qui reste évidemment un tarif très abordable et permettra de générer quelques recettes complémentaires, car comme vous le savez, le confinement est passé par là et a amené une baisse des recettes de la bibliothèque, puisque le prévisionnel est de 9 000 euros contre 13 000 à 15 000 constatés habituellement. Avez-vous des questions ? Je crois que toujours pas. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Nous restons sur des sujets de tarifs, mais cette fois-ci pour le Théâtre Nouvelle-France et le Théâtre André Malraux. Monsieur Vengère, vous pouvez poursuivre. Effectivement, ces deux théâtres aux caractéristiques assez similaires sont implantés sur chacune des communes historiques. Pour le Chênaie, le Théâtre Nouvelle-France, TNF. Pour Rocancourt, le Théâtre André Malraux, le TAM. Ces deux théâtres sont donc situés sur la commune nouvelle du Chênaie-Rocancourt. Le TNF est situé dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville. C'est une salle de 282 places dans un espace scénique adossé, avec un espace scénique adossé, une régie son et lumière située en fond de salle, deux loges et des sanitaires, tout comme le TAM, qui lui a 201 places qui sont disposées sur un gradin rétractable qui permet d'en faire une salle à plat de 250 mètres carrés. Sachant que pour l'heure et dans l'attente d'une rénovation du mécanisme des gradins, l'usage est réservé uniquement en mode gradin. Ces deux théâtres disposent d'un foyer. Celui du TNF est de 118 mètres carrés. On y accède par un escalier situé dans la salle et qui descend au niveau inférieur. Le foyer a été totalement rénové il y a 6 ans. Le foyer du TAM est, lui, en lien avec la salle. Sa superficie est de 83 mètres carrés. Ces deux salles sont d'abord et avant tout réservées aux usages municipaux, qu'il s'agisse des spectacles de la saison culturelle et de leur temps de préparation, et de répétitions, de résidences d'artistes en lien avec cette saison culturelle, de cours ou d'activités organisées par les services municipaux ou de réunions internes ou publiques organisées par la ville. En période électorale, elle figure parmi les salles pouvant être mises à disposition des candidats pour des réunions publiques. Ces différentes utilisations n'occupent pas l'intégralité du temps. Il convient donc de fixer les conditions d'utilisation de ces deux salles de spectacle et de leur foyer pour des usages extérieurs aux activités municipales. Deux objectifs distincts. D'une part, permettre à des associations culturelles locales de pouvoir y organiser des spectacles ou des manifestations de fin d'année. D'autre part, obtenir des recettes tirées de l'exploitation du patrimoine communal. Dans le traitement des demandes de mise à disposition des deux salles, priorité est donnée aux associations culturelles locales pour pouvoir y organiser des spectacles ou des manifestations de fin d'année. Les associations culturelles dont le siège social est inscrit sur le territoire de la commune peuvent bénéficier jusqu'à 5 gratuités de la partie fixe journalière, la partie fixe correspondant au théâtre et à son foyer. Pour la partie variable, pendant les représentations, la présence d'un agent service de sécurité incendie et d'assistance à personne est obligatoire. Il est fourni par la ville et facturé au temps passé selon la tarification fixée par le conseil municipal. La présence de 2 agents d'accompagnement est également requise. Si l'organisateur ne peut assurer cette tâche, ces 2 agents sont fournis par la ville et facturés au temps passé à l'utilisateur selon la tarification fixée par le conseil municipal. Dès lors que l'utilisateur entre dans les lieux, la présence d'un régisseur est obligatoire. Cet agent
est fournie par la ville selon la tarification fixée par le conseil municipal. Pour le TNF, une délibération du 16 octobre 2014 fixait les tarifs de location et du TNF et de son foyer pour la partie fixe et pour les organismes chénésiens pour un temps d'utilisation de 8 heures à 600 euros hors taxe et 40 euros hors taxe par heure supplémentaire. Pour la partie variable, 35 euros par heure de présence d'un régisseur, SIAP 23 euros hors taxe par heure et après 22 heures, 29 euros. Personnel d'accompagnement, 12 euros hors taxe avant 22 heures, après 22 heures, 24 euros. Les organismes chénésiens à but non lucratif pouvaient bénéficier de la gratuité de la part fixe du tarif de location sur décision de Monsieur le maire. Désormais, nous proposons jusqu'à 5 gratuités de la partie fixe journalière du TAM et du TNF pour les associations culturelles dont le siège social est inscrit sur la commune. Ces 5 mises à disposition de la partie fixe et de son foyer sont panachables. Ce peut être par exemple 3 TNF et foyers avec 2 TAM et foyers. Les autres associations, loi 1901, dont le siège social est inscrit sur la commune, bénéficient d'une mise à disposition à titre gratuit de la partie fixe du TNF et de son foyer ou du TAM et de son foyer. Les frais variables, régie, SIAP et agent d'accompagnement s'il y a lieu, restent à la charge de l'association avec les tarifs horaires suivants. Régie 37,50 euros hors taxe, agent SIAP 24 euros par heure jusqu'à 22 heures, après 22 heures 30 euros, personnel d'accompagnement 12 euros jusqu'à 22 heures, au-delà de 22 heures 25 euros. Les tarifs de location du TNF et du TAM hors association loi 1901 dont le siège social est inscrit sur la commune. TNF organisme Chesnay-Courtois 660 euros hors taxe, soit 792 euros TTC. Organisme non Chesnay-Courtois 1320 euros hors taxe. Le TAM avec gradin organisme Chesnay-Courtois 462 euros hors taxe. Organisme non Chesnay-Courtois 924 euros hors taxe, sans gradin. Organisme Chesnay-Courtois 370 euros hors taxe, organisme non Chesnay-Courtois 740 euros hors taxe. Location journalière du foyer seul entre 8h et minuit pour le TNF et organisme Chesnay-Courtois 330 euros hors taxe et organisme non Chesnay-Courtois 495 euros hors taxe pour le TAM par créneau de 4 heures entre 9h et minuit maximum, organisme Chesnay-Courtois ou personne physique Chesnay-Courtoise 100 euros hors taxe. Organisme non Chesnay-Courtois aux personnes physiques non Chesnay-Courtoise, 150 euros hors taxe. Les tarifs de location du TNF et du TAM au-delà des gratuités accordées aux associations loi 1901 dont le siège social est inscrit sur le territoire de la commune. TNF 200 euros hors taxe, foyer 100 euros hors taxe, le TAM avec gradin 140 euros hors taxe, sans gradin 112 euros et le foyer 75 euros. Pour le TAM, les tarifs étaient fixés ainsi par une délibération du 11 décembre 2017, foyer 300 euros, théâtre sans gradin 1200 euros, théâtre avec gradin 1400 euros. Après plus d'une saison de fonctionnement depuis la création de la commune nouvelle, il nous a donc paru nécessaire d'harmoniser les conditions de mise à disposition du TAM et du TNF, comme énoncé précédemment. Avez-vous des questions ? J'en doute, mais on ne sait jamais. J'ai essayé de simplifier. Je pense qu'il y a un peu de marge de progrès sur l'art de la synthèse, mais on va y arriver. Si pas de questions, on va passer au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité, merci. Et donc, M. Vengère, toujours sur les conventions, mais cette fois-ci, de mise à disposition de locaux avec l'association communale culturelle de Roquencourt. Dans la commune historique de Chesnay, il existe avec chaque association culturelle utilisatrice de locaux communaux une convention revêtant la forme soit d'une convention de mise à disposition de locaux, soit dans les cas des associations percevant plus de 23 000 euros de subvention, une convention d'objectifs. Ces dispositifs contractuels sont précieux pour connaître les droits et les obligations de chacun et bien connaître les responsabilités respectives des signataires. Au-delà de l'aspect purement juridique, les rédactions les plus récentes de ces conventions ont voulu sensibiliser les associations à un usage responsable des installations. Dans la commune historique de Roquencourt, il n'existait pas de document contractuel sur les relations entre l'Association communale culturelle de Roquencourt, la CCR, et la commune. L'absence d'une telle convention trouve probablement son explication par le fait qu'en absence d'un service culturel dans une commune de cette taille, c'était l'association ACCR, association regroupant différentes pratiques culturelles effectuées dans différents locaux,
qui jouait le rôle d'une direction culturelle. Pour clarifier les choses en termes de droits et d'obligations respectives dans ces installations dont la commune nouvelle est désormais propriétaire, cet état de fait antérieur n'a pas été reconduit. Il a été conclu une convention de mise à disposition de locaux avec l'Association communale culturelle de Rocancourt d'une durée d'un an en septembre 2019. Cela était d'autant plus important qu'une des installations municipales utilisées par la CCR est le théâtre André Malraux. Il s'agit là d'un établissement recevant du public pour lequel les règles de sécurité incendie doivent être particulièrement connues et mises en œuvre de façon très précise. C'est également un équipement qui est doté d'installations techniques spécifiques, régie son, régie lumière, qui ne peuvent être utilisées que par du personnel qualifié, placé sous l'autorité du propriétaire de l'équipement, soit la commune nouvelle. Il avait été précisé que cette convention portait sur les installations communales mises à disposition de l'Association communale culturelle de Rocancourt, à l'exception de la maison des associations qui ferait l'objet d'une convention spécifique à venir entre la commune nouvelle et les différentes associations accueillies dans cet équipement. La convention est donc arrivée à échéance le 31 août 2020. Il convient d'en rédiger une nouvelle. Dans celle-ci est supprimé le titre 4, disposition spécifique au théâtre André Malraux. En effet, le théâtre André Malraux étant utilisé à la fois par la ville et les associations comme le théâtre Nouvelle-France, la ville a souhaité harmoniser les conditions d'utilisation des deux théâtres dans une même délibération. Ces deux établissements sont des salles de spectacle. Leur technicité et leur réglementation incendie imposent un cadre spécifique avec du personnel qualifié. Pour les autres locaux, les conditions restent inchangées, avec toutefois une nouvelle règle liée aux conditions sanitaires actuelles. La présente convention est consentie sur la base du calendrier scolaire pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Elle est renouvelable deux fois par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée, avec accusé de réception adressé trois mois avant l'échéance par une des parties. Avez-vous des questions ? Non, je crois que vous avez achevé brillamment, non pas l'Assemblée, mais cette séquence culturelle. On va passer au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci. Nous restons dans le monde merveilleux des conventions, mais cette fois-ci dans le domaine du sport. Je passe la parole à M. Voiseux pour des conventions d'objectifs avec les associations sportives ayant plus de 23 000 euros de subventions. M. Voiseux. Merci, M. le maire. Donc, il avait été conclu en 2018 des conventions avec les associations sportives percevant une subvention d'un montant supérieur de 23 000 euros, qui arrive à terme cette année. Le 2 juillet 2020, on les a prolongées par une délibération et qui donc les amène jusqu'au 30 septembre 2020. Donc, il est nécessaire de conclure de nouvelles conventions avec ces associations. À l'époque, il y avait 9 associations. Vous avez la liste sur la délibération. Il en ajoute une dixième, le Chennais Natation. Ces conventions sont signées tripartites entre la ville, le Chennais Sport, qui apporte un aide comptable et la paye des enseignants de ces associations, et donc avec ces associations. Donc il est demandé de conclure de nouvelles conventions avec ces associations. Y a-t-il des souhaits d'intervention, de complément ? Je ne vois pas de main bouger, on va donc passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Nous restons dans les conventions, mais nous repartons sur la commune historique de Rocancourt avec une convention de partenariat avec l'association Union Sportive Municipale de Rocancourt, ou USMR. Donc, il avait été conclu en 2019 une convention de partenariat qui arrive à terme, qu'on avait également prolongée jusqu'au 30 septembre. Donc, il est de même qu'il faut la re-signer maintenant. Des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits, pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité, merci. Convention de mise à disposition pour le collège Charles Péguy, l'école Suger de Vaucresson. Vous avez toujours la parole, Monsieur Voiseux. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avions prévu de signer ces conventions et n'étant pas encore signées, on va pouvoir rajouter un article sur la partie de l'utilisation de la structure artificielle d'escalade. Donc vous avez la nouvelle convention avec cette partie, avec des règles bien particulières pour la structure d'escalade. Des souhaits d'intervention ? Oui, Madame Gagnervio. Bonsoir à tous, je vous remercie. Donc cette délibération est une bonne proposition pour laquelle notre groupe va voter favorablement.
Cependant, le mur d'escalade étant un équipement à risque, comment peut-on avoir la certitude que le professeur sera effectivement accompagné d'un intervenant spécialement qualifié pour encadrer l'activité, comme spécifié dans la convention? Il est fondamental que les référents proposés par les établissements soient connus de la mairie avec copie de leur qualification et qu'à leur arrivée dans les locaux de la ville, ils indiquent leur identité aux gardiens sur place. Monsieur Oiseux, je vous laisse. Par leur diplôme, ils ont les certifications pour exercer sur le mur d'escalade. Oui, absolument. Mais ouais. Il faudrait qu'on s'assure au préalable qu'ils ont effectivement leur diplôme et qu'on ait les copies des diplômes et qu'on ne laisse pas les établissements gérer comme ça pour des questions d'assurance, tout simplement, en cas d'accident, pour que la commune ne soit pas... J'entends votre remarque, mais je pense que ça vaut pour tous les sports où il y a des risques. Voilà, un prof de gym qui fait faire de la gym, quand il n'a pas les diplômes, il fait prendre des risques. Donc on a une structure associative qui vient, qui est une structure associative qui a déjà fait ses preuves dans d'autres communes, donc on n'est pas avec des aventuriers ou avec des néophytes. Mais voilà, j'entends vos remarques, on va juste se réassurer que tout est fait dans les règles de l'art, mais je n'ai pas trop d'inquiétude sur ce sujet. En tout cas, voilà, cette remarque vaut, mais elle vaut pour toutes les associations sportives qui, à un moment, font prendre des risques calculés à leurs pratiquants. Oui, mais spécifiquement pour le mur d'escalade. Oui, c'est peut-être un peu plus impressionnant. C'est important de le préciser tout de même. J'entends. Merci, monsieur. Monsieur Briot. Je voudrais vraiment relayer, je ne savais pas que vous alliez intervenir sur un sujet aussi important, mais il est important de préciser que ces diplômes sont extrêmement rares, et ça veut dire qu'un moniteur d'escalade, on en a su quelque chose avec M. Bosianowski qui travaillait pour le Chênaie, qui a eu un grave accident d'ailleurs, les agréments d'escalade, ce sont des spécialités très particulières. Or, on sait quand les établissements rentrent dans les gymnases, qu'il n'y a pas forcément de contrôle. Et s'il y a un accident, le procureur, bien évidemment, regardera ça. Donc, c'est pour protéger l'ensemble des représentants de la ville. Et j'abonde tout à fait dans la nécessité que les gardiens, quand ils accueillent ce type d'activité, se garantissent bien que la personne le fait. Voilà, c'est pour vous protéger, monsieur le maire, parce que vous savez, quand il y a un accident, c'est toujours le maire qui va chez le procureur, voire éventuellement en prison. Donc, on n'a pas envie de ça pour vous. Voilà. Je vous remercie de votre délicate attention. Fort de ces remarques très attentionnées, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous allons quitter le monde associatif et plonger avec délices dans les eaux, même si celles-là ne sont pas toujours très propres. Le rapport de présentation d'Hydrolis est pour M. Bonne. Merci, Monsieur le maire. Donc, par courrier du 7 juillet 2020, le syndicat mixte d'assainissement Hydréolis a transmis à Monsieur le maire le rapport annuel d'activité du syndicat pour l'année 2019. En effet, l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales dispose que le président d'un établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif. Considérant l'arrêté interpréfectoral constatant la représentation-substitution des communautés d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine et Versailles-Grand-Parc à leurs communes membres au sein d'Hydrolis pour la compétence assainissement, qui arrête transfert obligatoire de la compétence assainissement aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, ce rapport de 2019 est présenté la dernière fois à la commune nouvelle. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Avant de refermer... pour l'éternité, l'arrivée du rapport d'Hydréolis au conseil municipal du Chênaie, y a-t-il des souhaits d'intervention ? Étant entendu qu'à l'heure où on se parle, les élections dans ce syndicat intercommunal n'ont pas eu lieu et donc les nouveaux élus n'ont pas eu le loisir de prendre leurs fonctions. Monsieur Briot. Oui, merci. Bien évidemment, le rapporteur ne connaissant pas trop Hydréolis, il n'a pas pu forcément rentrer dans le détail. Non, mais attendez. Quand on rapporte cela, si vous voulez, qu'on retransmet par YouTube sur des gens qui nous regardent, Hydrolis, ils ne connaissent pas. Non, non, je vous assure, écoutez, faisons une enquête avec l'outil qu'on vient de m'indiquer sur la démocratie locale. Vous verrez, connaissez-vous Hydrolis ? Non.
Hydrolis, c'est un établissement public qui a été créé de façon un peu dérogatoire au transfert des compétences au niveau des intercommunalités de l'eau, avec Versailles Grand Parc, puisque ce sont les intercommunalités qui sont compétentes. Et là, en fait, on est sur plusieurs intercommunalités. Monsieur Brioux. Non, non, mais attendez, non, c'est un rapport. Oui, Vous me permettez quand même en tant que... Excusez-moi, je crois que Monsieur Toledano a dit des choses tout à l'heure. Je ne veux pas être stigmatisant, mais depuis l'intervention de Monsieur Toledano, à chacune de nos délibérations, vous revenez gentiment en arrière. Donc, Monsieur Brioux, le rapport, écoutez-moi. Monsieur le maire, vous faites de la censure. Non, je voudrais terminer mon intervention. Je vais vous rendre la parole. J'attire juste votre attention que tout à l'heure, Monsieur Toledano a indiqué qu'il ne va pas y avoir de comportement stigmatisant. Vous vous adressez à Monsieur Bonne en présumant qu'il ne connaît pas grand-chose à Hydrolis. Je trouve que c'est un jugement de valeur bien présomptueux de votre part. Vous ne savez absolument... Vous venez d'avoir un jugement de valeur vis-à-vis de M. Bonne. Vous ne connaissez rien des connaissances de M. Bonne sur Hydrolis. Donc, que vous vouliez intervenir pour nous refaire... Écoutez-moi, je vous rends la parole après. Vous réécouterez sur la bande-son. Hydrolis, c'est un syndicat qui est connu. Les gens, il y a un site internet. Rassurez-vous, les gens qui veulent avoir des informations sur Hydrolis. Vous m'avez coupé la parole. Je vais vous la rendre, mais tout à l'heure, Monsieur Toledano est intervenu. Donc je me permets à la huitième délibération. J'ai terminé. Devant votre retour systématique vers le passé, de rebondir sur l'intervention de Monsieur Toledano et sur ce que vous avez dit sur Monsieur Bonne. Voilà. Donc si vous souhaitez terminer votre intervention, c'est le moment. Je vous rends la parole. Je termine tout simplement en disant que depuis quelques semaines et quelques mois, vous êtes à la tête de cette mairie. C'est la loi qui l'a fait. Les électeurs qui l'ont décidé, attends, Monsieur Brioux. Je sais que c'est difficile à accepter pour vous, mais ce sont les électeurs. Mais non, mais attendez, je vous dis que c'est ça. Je n'en fais pas une discussion. Donc je dis aujourd'hui, oui, tout ce que nous voyons dans les dossiers, c'est la suite logique de ce que nous avons fait. Et ce que nous avons fait et ce que nous faisons, c'est tout. Je ne vois pas très bien pourquoi on ne peut pas parler des choses simplement sans contester tout le temps. Voilà. Bon, Hydrolis n'intéresse personne, je saurais en parler différemment, c'est tout. Non, non, j'ai terminé. Monsieur le maire, pardon, je peux m'exprimer ? Je vous en prie. Donc, simplement, je vais tourner vers l'avenir. Donc, s'il vous plaît, je vais me tourner vers l'avenir. Sachez que, entre autres, j'ai monté beaucoup de structures techniques et que j'ai monté également un bureau d'hydraulique dans mes fonctions précédentes. Voilà. Pardon ? Non, mais monsieur vous le maire. Du monde, monsieur Brioux. Est-ce que vous pensez... Pardon. Monsieur Brioux, je suis juste en train d'expliquer que si, effectivement, globalement, vous contesteriez que je ne connaisse pas Hydrolis et que je ne puisse pas donner un avis sur ce que fait Hydrolis, je me permets juste de dire que globalement, je pense avoir compris ce que fait Hydrolis, que je suis en capacité de comprendre ce qu'ils font et que je suis effectivement, entre guillemets, inquiet également du fait qu'on pourrait ne plus avoir accès direct à Hydrolis puisqu'il faudra passer par Versailles Grand Parc et que je m'occupe effectivement, entre autres, de créer des liens directs avec Hydrolis pour qu'on puisse garder, s'il vous plaît, des contacts directs, une forme, si vous voulez, de rapprochement avec cette structure qui est parfaitement adaptée à nos besoins, mais que l'arrêté risquerait de nous éloigner de ce rapprochement. Donc je m'emploie à combler cette chose, s'il vous plaît. Alors, je voudrais répondre à l'élu pour lui dire que j'ai... Mais vous demandez la parole à ce moment-là. Oui, je vous la donne. Non, j'ai eu l'occasion d'échanger avec ce monsieur et j'ai tout à fait apprécié la qualité. Alors, si vous avez interprété le fait que vous avez pensé dans mes propos que vous ne connaissiez pas, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Pardonnez-moi. J'ai voulu dire tout simplement... Je vous remercie de cette précision. Non, mais vous me laissez terminer, monsieur le maire, quand même ? Je vous en prie. Bon, donc, je m'adresse à cette personne qui s'adresse de façon très courtoise et je m'excuse auprès de lui s'il a mal compris ce que j'ai dit. J'estime que quand en public, on présente une délibération, il faut que ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire pas que nous, mais la population, puissent comprendre. Si on dit que c'était avant le Smarov, que c'est le carré de réunion et que nous allons pouvoir récupérer toutes les autres de Saint-Quentin qui passent par Achères et qui déversent sur Carrière sous Poissy où il y a une plainte depuis deux jours de ça. Voilà, c'est juste ça. Moi, au contraire, monsieur, j'ai beaucoup d'estime sur votre qualité. Je n'ai pas de problème là-dessus. Je dis que c'est important, c'est qu'on explique aux gens, surtout quand il y a beaucoup de nouveaux. C'est tout. Merci. Très bien, nous prenons note de vos excuses, elles me paraissaient nécessaires et je suis juste un peu étonné que sur les six mandatures précédentes, vous n'ayez pas été aussi pédagogue sur les rapports d'Hydrolis, vous les voyez passer beaucoup plus rapidement, mais je suis content de voir que vous avez une très très grande envie de pédagogie maintenant que vous êtes dans l'opposition. Merci. Nous allons donc prendre acte
puisqu'il s'agit simplement de prendre acte de la communication du rapport au Conseil. C'est ça l'objet de la délibération. Donc, acte est pris de la remise de ce rapport au Conseil. Prochaine délibération concerne la participation à l'entretien de la forêt domaniale de Fausse-Repose, située sur les territoires de la commune nouvelle. Je passe la parole à M. Darentière. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la forêt de Fausse-Repose, qui est un lieu que fréquentent beaucoup des habitants de la ville. Donc, il s'agit de renouveler la convention de 2019 pour l'année 2020. Une précision, donc, la forêt de ces parcelles forestières, elles sont partie prenante de parcs forestiers, finalement, et donc elles nécessitent un entretien spécifique pour l'accueil des riverains, des habitants qui souhaitent s'y promener ou exercer certains loisirs. Et donc, c'est l'objet de la convention qui précise finalement quelle est la contribution de la municipalité auprès de l'ONF pour la gestion et l'accueil au sein de ces forêts. Voilà, donc c'est pour 2020, c'est 20 000 euros qui sont bien budgétés pour les activités que l'ONF va prendre à sa charge, qui sont des activités spécifiques, qui peuvent être liées à l'abattage de certains arbres dangereux, au curage des fossés ou bien au nettoyage de la forêt qui fait par ailleurs souvent l'objet de dépôts sauvages. C'est un des problèmes auxquels on est confronté. Et deuxièmement, la municipalité contribue aussi avec ses services sur l'entretien de certaines parcelles, notamment dans la zone de la fosse aux loups, avec des tontes régulières ou l'entretien des petits mobiliers. Voilà, ça a été présenté, cette convention a été présentée dans la commission ad hoc et a été validée par l'ensemble des participants. Et l'objet, donc, c'est d'approuver la signature de cette convention et le montant donc budgété équivalent de 20 000 euros, sachant qu'en 2021, un travail plus approfondi de convention plus long terme permettra de développer les capacités d'accueil sur certains sujets, comme le parcours sportif qui n'a pas encore été remis à niveau dans la parcelle de Fausse-Repose ou encore les périmètres du parc forestier de Roquencourt. Voilà en synthèse. Merci, M. Darentière, pour cette délibération. Tournée vers l'avenir, y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Délibération suivante porte sur l'adhésion à une centrale d'achat qui s'appelle Sip & Co. Et je passe la parole à M. Konsdorf. Merci, M. le maire. Alors, pour cette délibération, en fait, nous nous inscrivons dans une certaine forme de continuité, puisque historiquement, la commune du Chesnay a adhéré au groupement de commandes CIPEREC en 2014, qui est le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication. Depuis lors, eh bien, la commune achète son électricité par ce biais. Ce syndicat a ensuite étendu ses compétences et la commune a adhéré à un second groupement dédié aux services de communication électrique qui s'appelle GCSCE. Ces groupements de commandes offrent plusieurs avantages en termes d'économie de passation de marché, de massification de commandes et de garantie de respect des termes des marchés. Il faut savoir que la direction du numérique s'appuie quotidiennement en fait, sur les prestations de services et d'acquisition de matériel de ce groupement de commandes pour des services de télécommunication, d'achat de matériel informatique ou de sécurité. Or, ces marchés arrivent à expiration le 31 décembre 2020 et ce concernant les services de communication électronique au quatrième trimestre 2020. Et ils sont relancés en fait par une centrale d'achat qui s'appelle maintenant CIPEMCO, qui a été créée en 2019 par le CIPEREC. Alors, pour faire partie de ce groupement de commandes, les collectivités doivent se manifester avant le lancement de la production. Il y a des frais d'adhésion et de bouquet qui s'élèvent en tout à 8 192 euros. Alors, ça peut paraître cher, mais en définitive, on a fait un petit calcul et rien que sur la téléphonie, on fait une économie de 14 000 euros du fait de la massification des achats. Donc c'est dans ce cadre que la convention d'adhésion est soumise au conseil municipal. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Est-ce que je peux demander à ceux qui ne prennent pas la parole de bien mettre leur masque sur la bouche, conformément au protocole sanitaire ? Si pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Nous allons attaquer une séquence plutôt ressources humaines et avec une délibération qui concerne avec le CIG,
relative à la mise à disposition d'un conseiller en prévention des risques professionnels. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. La convention de mise à disposition d'un conseiller en prévention des risques professionnels conclue avec le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne, dit CIG, est arrivée à échéance le 30 juin 2020. Il est donc proposé au conseil municipal de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans, selon les modalités analogues à celles de la précédente convention. Le conseiller en prévention mis à disposition de la ville par le CIG Grande Couronne aura pour mission d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques, la mise en œuvre d'une politique de prévention des risques professionnels et des règles de sécurité et de santé au travail des agents. Il interviendra à raison de 30 journées par an. En 2019, le coût de cette convention s'est élevé à 7 367 euros. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Monsieur Pemery? Oui, je suis évidemment tout à fait favorable à cette délibération, mais je ne prendrai pas part au vote pour les raisons que vous savez. Merci. Je vous remercie de votre, de ce souci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention, Monsieur Briot? Je n'ai pas compris pour quelles raisons, Monsieur Pemery. Ah, c'est par rapport au CIG? Vous êtes le président? Très bien, je vous félicite. S'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Monsieur Ribert, vous conservez la parole pour une délibération concernant la fixation du taux horaire pour rémunérer un intervenant chargé d'assurer des cours de musique et de chorale. En 1994, un agent a été recruté en qualité de professeur de solfège à l'école élémentaire Chevreloup pendant le temps scolaire. Recruté en 1994 en qualité de professeur de solfège jusqu'en 2007, ses missions ont évolué en professeur de solfège et de musique de cette dernière, et cette dernière date à 2013, puis en professeur de chorale et de musique de 2013 à ce jour. Le volume horaire est de 178 heures par an. Ses interventions sont saturées en coordination avec l'éducation nationale. Cet agent est rémunéré à un taux horaire brut de 19,94 euros, mais il ne semble pas qu'une délibération ait été prise pour fixer ce taux. Aussi, afin de régulariser la situation, il est proposé au conseil municipal de fixer ce taux de rémunération horaire à 22 euros, incluant ainsi l'indemnité compensatrice pour congé égale à 1/10 de la rémunération totale brute versée jusqu'à présent de manière annuelle à l'agent. Le coût financier pour la ville demeurera donc quasiment inchangé, la fixation du taux de 22 euros n'entraînant en réalité qu'une hausse de 6 centimes par heure compte tenu de la prise en considération de l'indemnité compensatrice pour congé dans le nouveau taux horaire. Est-ce que vous avez des questions? Si pas de questions, on passe au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Délibération traditionnelle dans nos conseils, la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois. Monsieur Ribert. Merci, monsieur le maire. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ces créations peuvent porter sur de nouveaux emplois à créer dans la collectivité. Elles peuvent aussi porter sur des emplois à transformer parce que l'évolution des missions au sein de la collectivité, comme celle des compétences des agents ou l'obtention de promotion, nécessite que le tableau des emplois évolue. Il appartient donc au conseil municipal d'adopter le tableau des effectifs en cohésion avec ces différents changements statutaires. Il s'agit en l'espèce de créer un poste de puéricultrice de classe normale pour permettre le recrutement d'un agent à la direction de la petite enfance afin de remplacer un agent titulaire du grade de puéricultrice hors classe ayant pris une disponibilité pour suivre son conjoint. Ce dernier poste ne sera donc pas supprimé, mais restera vacant pendant la durée de la disponibilité. Il s'agit également de créer un poste d'infirmière en soins généraux de classe normale pour permettre le recrutement d'un agent à la direction de la petite enfance et de supprimer un poste d'infirmier en soins généraux hors classe, précédemment occupé par un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite dans cette même direction. Sont donc proposées les modifications suivantes. Création des postes suivants, un poste de puéricultrice de classe normale, un poste d'infirmière en soins généraux de classe normale et suppression du poste suivant, un poste d'infirmière en soins généraux hors classe. Avez-vous des demandes d'intervention? Pas de questions. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Dernière délibération de ce conseil concernant la commission communale des impôts directs. Je passe la parole à Monsieur Soleil. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'objectif principal
et unique d'ailleurs de la Commission communale des impôts directs, CCID, c'est d'évaluer au mieux les bases foncières de la commune. Alors elle fait ça sous la tutelle de la Direction départementale des finances publiques, et l'objectif c'est de réunir un certain nombre de commissaires qui seront des gens assujettis à une taxe ou à une autre ou à plusieurs taxes sur le territoire de la commune et qui analyseront les mises à jour, les modifications des locaux d'habitation ou commerciaux qui servent de référence à la direction départementale des impôts directs. Alors, cette direction nous demande de lui désigner... la commission se compose de 8 commissaires, donc il faut 8 titulaires et 8 suppléants. Et comme, dans le principe, elle tire au sort dans la liste des gens qu'on lui envoie les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants, elle nous demande de lui donner 32 noms. Donc la liste qui vous est jointe, c'est une liste de 32 noms. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'en fait, après s'être heurté à un tirage au sort qui désigne des commissaires qui sont ni très qualifiés ni très motivés, elle nous demande d'orienter la liste de façon à l'aider dans son activité de tirage au sort aléatoire. Voilà. Alors, je vous propose, bien que ce soit un peu rébarbatif, de vous lire la liste des 32 noms, pas tellement parce que je préjuge que vous ne savez pas lire, mais parce que précisément un certain nombre de gens ne peuvent pas lire sur nos tablettes et éventuellement nous écoutent. Je remercie d'ailleurs, avant de lire cette liste, tous ceux qui ont bien voulu être volontaires pour y participer, parce que c'est pas honorifique, c'est même un peu ingrat, et c'est un travail qu'il faut faire sérieusement, parce que vous avez compris son enjeu, l'évaluation juste et actuelle de nos bases foncières. Alors, dans l'ordre de la liste qu'on vous propose, c'est M. Joriot, M. Forget, je dis bien M. Forget, Mme Alquier, M. Legrel, Mme Nocringer, M. Lapré, M. Manchon, M. Donien Dominique, je précise parce qu'ils sont nombreux dans la ville, Mme Giroux, M. Sévely, M. Lemort, Mme Arenschneider, M. Téménides, Mme Guéniarvio, M. Jeanne, Mme Kelly, M. Testu, Mme Revol, M. Després, Mme Téménides, M. Rieutor, Mme Méry, M. Demet, M. Galichon, M. Odic de Kernen, M. Rospini, M. Berthomé, Mme Pétavi, le docteur Ningre, Mme Philippe, M. Patrick Labéry et Mme Chevalier. Donc c'est une liste, comme vous pouvez le voir, qui est assez peu politisée. Y a-t-il des souhaits d'intervention avant que nous... Oui, Mme Nocringer. Oui, merci de me donner la parole. Juste pour vous signaler qu'il y a me concernant, une erreur sur mon prénom dans la liste qui est jointe ce soir. Nous allons la corriger. Vous faites très bien nous le communiquer. Je m'en arrangerai avec ma collègue Nicole Alquier, parce que je pense bien que c'est elle qui m'a communiqué vos coordonnées. Mais, ceci dit, on va quand même les corriger. Très bien, merci beaucoup. On est quand même relativement peu excusable, parce que Mme Nocringer est quand même assez facile à identifier. Voilà, à moins qu'elle ait une sœur ou une homonyme. Voilà, donc je vous prie de m'excuser, madame. Voilà. Merci. Merci. Si pas d'autres souhaits d'intervention, d'autres corrections, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient, favorable à l'unanimité. Merci. Ainsi se termine l'ordre du jour régulier de ce Conseil. Nous n'avons pas reçu de questions diverses. Il y a 49 décisions. Si elles font l'objet de demandes d'intervention, c'est le moment, mais vous pouvez évidemment revenir vers nous ensuite. Monsieur Briot. Lorsqu'il y a beaucoup de décisions, c'est que, effectivement, on n'a pas forcément besoin de passer des délibérations et nous sommes informés. Sur la décision numéro 5, enfin celle qui est paginée 5, nous avons un certain nombre de conventions d'occupation précaire de logements. Le maire est très souvent sollicité par du personnel pour le loger pour différentes raisons. Les raisons principales sont en général pour faciliter le service. Je vois là une autorisation demandée pour M. Christophe Raoult, qui a été engagé pour le service du patrimoine et plus particulièrement les locations et autres, et particulièrement la villa de Chèvreloup.
Nous avions réservé le logement qui est fait pour cela à Chèvreloup, l'entrée, et je vois qu'il est rue du Hameau. Je pense que la raison est que le logement de Chèvreloup n'est pas libéré. Je suis le responsable d'avoir mis une personne dedans qui est de grande qualité, certes au niveau professionnel, mais qui avait, pour des raisons personnelles et familiales, un besoin de reloger quelques mois. Et je pense que les mois se renouvellent régulièrement. Et je trouve qu'il serait légitime que M. Raoult intègre ce logement et que l'autre personne trouve une solution, voire peut-être celle de la rue du Hameau. Et je ne vois pas dans les décisions la convention d'occupation précaire de la personne qui occupe Chèvreloup. Voilà mes interrogations sur cette décision. Eh bien, je vais vous donner mes réponses sur le sujet. La situation de la personne qui occupait le local est réglée, puisqu'elle a libéré ce local. Et donc là, nous sommes dans une phase de transition avant de permettre à M. Raoult d'intégrer le logement qui lui avait été, entre guillemets, promis. Voilà. Madame Bilger. Merci, Monsieur le maire. J'ai une question sur la décision qui est paginée page 32, s'il vous plaît. Je vous laisse donc y aller. Il s'agit donc d'une décision portant décision de défendre Monsieur Berthe et autres contre la commune du Chesnay-Roquencourt. Alors, je vais faire un tout petit peu d'humour, et ça, c'est pour les anciens élus, je vous rassure. Je ne me transforme pas en Madame Bélier dès qu'il s'agit On va éviter toute forme de stigmatisation, Madame Bilger. Ouais, bon, oui, c'était un mal. Petit peu tentant, je ne vous le cache pas. Voilà, mais on va tous se retenir. Voilà, plus sérieusement, je pense qu'il est important que vous expliquiez cette décision, en tout cas ce que moi j'en comprends et celle-ci. Par cette décision, donc, la ville a chargé un cabinet d'avocats donc, de défendre la commune contre M. Berthe. M. Berthe, en fait, qui représente le collectif 3CR, c'est-à-dire Concertation Citoyenne Chesnay-Roquencourt, qui, sauf erreur de ma part, est un collectif qui a été créé pour rassembler les habitants qui souhaitaient une concertation sur votre décision de modification du tracé de bus du 24 août 2020. Donc, une fois de plus, je m'inquiète un peu de savoir que les habitants sont obligés de se réunir en collectif, d'aller en justice, alors qu'une fois de plus, vous nous avez promis de la concertation. Donc je m'interroge sur l'écoute qu'ils ont pu recevoir, sur les réponses qu'ils ont pu avoir, d'autant plus qu'un certain nombre de courriers sont arrivés jusqu'à nous, qui m'interrogent également, notamment de la part de notre députée, Madame Piron, qui, à la demande de ce collectif qui demande de l'aide, écrit texto, il, en parlant de vous, Monsieur le maire, lui a été imposé par Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des mobilités dans la région, la mise en place du réseau de bus tel qu'il avait été décidé en septembre dernier. Il s'agit toujours de vous, n'a malheureusement pas les moyens de revenir sur une décision qui n'est pas la sienne. Donc ma question, elle est simple. Pour qu'un collectif aille en justice, c'est vraiment qu'il n'a pas eu de réponse. Et manifestement, les réponses qu'il a reçues ont été peu compréhensibles. Madame Bilger, alors, je vous prie, Monsieur Toledano, de bien vouloir m'excuser de faire encore une fois un petit peu machine arrière, mais vous avouerez qu'il y a quand même peu de délibérations, on ne renvoie pas vers le passé. Donc je réponds sur le point de la décision. Nous avons été assignés en référé, la ville se défend, elle prend un avocat, il y a une décision, c'est ce que vous avez devant vous. Il ne me semble pas que quand d'autres collectifs, il y a quelques mois, quand vous étiez aux affaires, ont été obligés de se pourvoir en justice, ça ait suscité beaucoup d'émotions de votre part. Donc, je suis très touché que vous soyez très ému. C'est le droit de n'importe quel citoyen d'aller au tribunal, donc c'est la vie très démocratique de notre pays. C'est la responsabilité du maire de défendre la collectivité. Je prends un avocat, vous savez la décision. Pour le reste, je crois qu'on a eu un conseil très détaillé. Je m'étais engagé à l'issue de ce conseil à recevoir tous ceux qui souhaitaient me rencontrer pendant l'été. J'ai rencontré 6 groupes, des individus, des collectifs, des gens qui étaient
dans de bonnes dispositions d'écoute. D'autres qui m'ont clairement indiqué que de toute façon, si sous deux semaines, je n'accédais pas à leur demande, ils iraient au tribunal. Pour le coup, ils ont tenu parole. Après, on peut disserter à volonté sur la capacité d'ouverture et de dialogue et la réelle volonté de concerter quand on a déjà préparé toute la démarche au tribunal. Voilà, je laisse chacun juge. Et donc, vous avez ici la décision logique que doit prendre un maire quand il est assigné au tribunal et qu'il doit défendre les intérêts de la commune. Voilà. Pour le reste, je crois avoir tout dit de ce dossier, et donc je ne vais pas vous emmener au bout de la nuit sur cette séquence. On a été au tribunal, le jugement a été rendu, et il sera jugé sur le fond dans quelques mois. Monsieur Briot. Comme il s'agit de questions sur les décisions, nous n'avons pas à engager un débat politique, bien évidemment. Je l'ai souvent dit et je ne souhaite pas le faire ce soir. Je vous en remercie, et c'est bien de le rappeler. Par contre, si vous avez ouvert le conseil avec une information sur le Covid, ce qui était tout à fait normal par rapport à l'école Guynemer, je pense qu'il aurait été important de pouvoir le faire également sur le transport en commun. Car si vous avez pris des décisions seul cet été, je peux vous dire que depuis fin août, beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément informés ou autres, aujourd'hui subissent ces changements de façon importante. J'en ai vu même une cet après-midi avec une sciatique qui devait aller quelque part, qui n'a pas pu parce qu'il y avait des distributions de réseaux. Ensuite, voilà, je voulais juste demander à M. Bisdorf, puisqu'il met en place un outil numérique moderne d'avenir, sans faire référence à tout ce qui a pu se passer avant le 15 mars 2020, de pouvoir peut-être solliciter la population sur des questions précises sur les conséquences de ces modifications de bus depuis fin août. C'est tout. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur les décisions ? Si pas d'autres souhaits, je vais déclarer ce conseil clos. Je vous invite à réserver dès à présent la date du jeudi 1er octobre pour la prochaine séance du conseil municipal dans cette salle, dans des conditions sanitaires dont je ne peux rien vous dire à cette heure. J'espère qu'elles seront ISO, qu'elles ne s'aggraveront pas. Très bonne fin de soirée à vous et à bientôt.